Oui, je suis avec Christophe Soumillon qui me demande la parole. Oui, voilà. Alors, je viens vous voir, il y a un gros problème. Je pense que vous avez tous vu comme moi ce qui s'est passé dans la poule d'essai des poulains. Il y a le poulain de Ryan Moore devant qui a glissé sur une surface de la piste qui a toujours été un peu glissante. Les commissaires n'ont pas voulu nous prendre tous ensemble pour pas, soi-disant, qu'on retourne la tête de Ryan Moore. Il a dit que la piste était dangereuse, qu'elle glissait à cet endroit-là. On a la chance de décaler les boîtes, de pouvoir courir grande piste. Ça prend 5 ou 10 minutes. On a été questionnés par les commissaires, donc nous, on leur a proposé cette solution. 8 jockeys, donc Pierre-Charles Boudot, Maxime Lyon, Michael Barzola, qui entre autres lui a dit que ça lui a coûté la course, qu'il a failli tomber. Pierre-Charles aussi, qui dit que son cheval était complètement sur le mort et que ça lui a coûté quelque chose. Et Ryan Moore qui a failli tomber. On a donc proposé aux commissaires de changer de piste. Ils ont dit non, c'est comme ça, vous y allez. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire comme à Lyon. Yoritz, il a glissé dans le dernier tournant, il a failli tomber. Il a signalé qu'il y avait un gros souci. Derrière, on a couru un quintet. Et voilà ce que ça donne comme image aux courses. Il y a 4 jockeys qui sont tombés. Il y en a 2 qui sont à l'hosto, dont un qui ne va pas pouvoir monter pendant un mois, l'autre qui a perdu des courses de groupe aujourd'hui, et là on nous envoie au casse-pipe avec 16 partants avec des pouliches. Imaginez-vous s'il y a n'importe quel jument là qui se tue sur la piste, ou un jockey qui finit paraplégique, qu'est-ce qu'on va dire? On a prévenu, on voit que la piste elle glisse, et les jockeys on les envoie au casse-pipe. Mais à un moment donné, est-ce que quelqu'un va réagir? Donc là on nous a dit, il n'y a pas de problème, ça va courir, moi il y a une piste, vous y retournez. Mais moi j'ai peur de rien, moi, je suis un mec, je suis un fou. Je fais tous les sports les plus extrêmes du monde, j'ai été monté à Auteuil. On dit que la piste est dangereuse, il n'y a personne qui nous écoute, jamais personne. Alors nous, on est là, il y a des éleveurs, des propriétaires, des entraîneurs, on fait attention à leurs chevaux, on fait attention à nous, et on nous envoie au casse-pipe. C'est inadmissible. Vous avez vu la course, comment elle était belle? Il y a eu 3 chevaux malheureux qui ont failli tomber. C'est scandaleux, scandaleux. Alors, il y a des gens qui prennent des décisions, changer de piste. Aujourd'hui, elle a glissé, Détori, il est tombé ici, dans la coupe, il y a 15 ans. On a annulé les courses, on a dit on ne court plus moyenne piste, on les met sur la grande piste. Pourquoi est-ce qu'on va changer les choses qui marchent en France? Grande piste a toujours fonctionné. Là, on prend les boîtes, ça prend 5 minutes, on les met 200 mètres plus loin et on retrouve la poule d'essai normale et il n'y aura pas de glissade, pas de danger pour personne. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On envoie les jockeys au casse-pipe, les commissaires s'en foutent complètement. C'est inadmissible.